bien mal. Travaille plus. C'est OK. Mais qu'est-ce que t'as gars, toi? Moi, je suis Yuvin. Le gars, Zoël Piasse, à Théophile. Ah oh, ouais. Zoël Piasse, quand la factory de Foissin, on a piqué. Ouais. Ouais. T'as adoré, travaille-t-il bien? T'as fait la cour droite, ça va pas m'en acheter un autre à ça. T'as-tu la paye, John? Non, arrêtez quand les autres pères comme on dit, j'étais venu trop vieux pour aller avec eux. Dans toute ma vie, j'ai jamais été riche comme toi et ton père. Je suis pas mon père, moi. Moi, ça, c'est assez que je fais ma petite fortune avec la mousse et les coques. Je les mets le véto à matin, puis c'est des grands voraces. Reste-tu loin du site, Jean? Ouais, puis que je suis à mon aise. Je reste dans le fond des bois d'une vieille cabane, loin du monde. Personne t'embarrasse, là? Non, on règle des chasseurs et des bucherins. T'amèneras ta cabane, si tu veux. C'est tout, c'est le besoin. Tu te trempes la gorge de miette? Qu'est-ce que c'est? C'est du monde que je vais faire de mon passé. Ben, ça ferait peut-être bien bien. Je fais une bonne vie, moi. Je brousse avec la délai. Les coureurs, ils font des commandes toutes des nuits de temps. Puis plus que mon saut. Ah, on a fait ma part, moi et tout. Puis tous les lundis, j'arrête de boire. Ça va coûter de fumer beaucoup, moi. Mais j'ai vu que ça me frigate. On a passé, moi et tout, des veillées. Quand je me demande à vous, c'est un. Puis qu'est-ce qui se passe, les meurs, ils ont les veillées dans les cabanes de Margot. Ils mettions tout ensemble une bande d'acadiennes. Puis ça boivait, puis ça chantait. Les femmes nous suivions des bons fricots, aux mots et aux coqs, puis d'autres font des bons portes à la rampeur. Tout le monde était tourné, puis ça boivait, puis ça chantait. Puis ça se gorrachait sur la place avec des femmes pour virer sur la rive de Saint-Anne. Ça aurait dû être le fun, ça. Ouais, Master, je suis pas mal vieux à recoltier. Joe, on est comme trop vieux. Les femmes Master, là, sont pas mal chanceux. Ça peut être genre. C'est trop ambitieux. T'es une dépression, t'as qu'à ça. Je crois qu'il y a encore une dépression autour. C'est moi qui l'ai. M'ennuie de mon Hélène. Hélène, tu es? C'est une fille que j'ai rencontrée à l'université avant de quitter mes études pour aller travailler. Jusqu'à devant? Ben, connais-tu Cécilia Antoine? Ben ouais, son nom, ça venait de la belle aux 5-6 ans passé. Ben, c'est la fille de cette femme-là. Après l'accident, Cécilia a emmené sa fille
traiter qu'un pour faire lieu vie là. L'année passée, Hélène a venu étudier à mon université à Moncton. Mais c'est eux que les cours sont finis, elle a rendu 500 à 1017 à critiquer. Yo, je la manque beaucoup, Joe. Qu'est-ce qui t'a peur de la carcasse? Mais pas mal. Faut qu'elle reste cruiseuse. Ça met le même point. Fais comme ça, quoi, tu fasses ta tête. Je sais pas. Tu peux rester ici si tu veux. Voilà. Que tu fais? Je peinture. Arrête de pas ton teigne à faire, je te mode là puis vais laver les plats. Ça va être le petit Monctonien aujourd'hui. Tu viens gelé après-midi? Ben, moi, je vais te déclarer. N'importe quel temps. À bord. Ouais, c'est super hard à moi sur deux chiots. Ok. Pourquoi est-ce que tu as quitté l'université? Trop de monde et pas assez de participation. Ça fait qu'à ce temps, tu restes avec un vieux dans le cabane. Tu trouves ça meilleur? Bien sûr. Tu savais que c'est moi qui organise le festival cette année, hein? Non. Ben, ça va être meilleur. Pourquoi tu m'as aidé à l'organiser? Puis tu pourras jouer ton guitare. Ok. Et puis si les autres gars ne voulaient pas aider, il n'y a aucun problème. Le seul bassur, c'est Elias. Il est revenu de Toronto? Oui, il faisait la fronte et puis papa l'a jeté dehors. Je crois pas qu'il nous embarrassera une autre fois. Je sais pas, c'est lui qui avait organisé le festival de musique anglaise l'année passée, puis moi, on n'a pas oublié ça. Ben, moi non plus. C'est de la misère à oublier de quoi, tant que chaque fois que je m'en reviens par chez nous, je crois que tout le monde s'en souvient. Puis ça pique encore d'orient, mon échine. 18 petits humains, hein? Ça va être bien. On t'a dit qu'il s'est dit au tué. Hey, c'est dingue. Et là, c'est pas la couleur de ces humains, il s'est à terre. Hey, arrêtez là! Sauf! J'en ai encore de la paix! Léo, arrêtez! Ça. Rajouter une d'or et neuf à Joe. Ça serait peut-être une bonne idée de changer nos intérêts et tout. C'est impossible. Peut-être mettre des cordes à la pomme ou des attrapes à padrouille dans le bois. Ça ferait le fun. Pourquoi pas commencer à jacker des chevreuils? On manque de faire jacker nous autres à matin. Non.
Pour bien vite nous trouver un job. Ben, c'est que le business s'en va pas mal slack. Je peux prendre votre numéro de téléphone quand même. Je n'ai pas de téléphone. Ben, venez voir dans un mois, il y aura peut-être plus de place à ce temps-là. Et puis l'annonce, là, qu'il y a de haut. Elle est encore de haut? Excuse-moi, j'ai oublié de le faire l'autre hier. Point job, point car, point fumelle pour me secouer la cigare. Point job, point car, point fumelle pour me secouer la cigare. Oh, Huguen, pauvre girl, point travail et point d'argent. Mais la cavaille comme ça, hein? Bien sûr. Le Joe, vas-y par l'entrée. Tu vois qu'est-ce qu'arrivé?
que Joe. Tiri! Ben, ça te marie de Joe. Pas de bonne. Prends un point de train, hein? C'est vrai. C'est Joe qui paye. Spaghetti, Hélène? OK. Make and wait. Pas besoin de sauce. On va la faire, moi, cette fois, c'est OK. Faire de l'avoir. Deux enfants. Ça va-tu? Ils restent ensemble. Puis ils sont pas même mariés. Il fait moins beau de la dope. Bon, tu composes ce tune-là? Ça? Oh ouais. Tu devrais y mettre des mots français. Je peux pas écrire bonne de français. Hey, t'as idée si tu veux. Ok. Je vais faire encore un film blanc. Merci. Merci, Joe. Pour 40 pièces. Oh. T'es contente, hein? Ah, ah. Oh, je crois bien que Fouf te paye. Mm-hmm. Merci. Ben, t'es bienvenue. Tu m'en rapporteras d'autres, hein? OK. Ouais, OK. Bye bye. Merci. OK, bye bye. Vous reviendrez. Ouais. Ça, c'est vrai des bonnes choses pour Joe, hein? Oui. Ça, oui. Moi, j'aime ça, ça. Ça me fait-tu? Pas pire. Allez, voilà dans le soir. Peut-être. Merci. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je fais quoi? Je peux passer pour voir comment je te vis. Parce que tu avais besoin de mon aide. Une fille qui reste avec un gars tout seul, là, c'est pas bien. Et tu te pointes, puis je reste point tout seul avec Eugène. Il y a deux autres gars avec nous autres. Deux autres? Tu devrais avoir honte. Que Dieu te pardonne. Un point peu, même je prends la pile à cette heure. La pile? Mon pauvre enfant! Oublie pas de catholique!
boiteux. Point trop, rien que vraiment les vendre d'au soir. Hein. Nous souvenons avec nos amis à la club. À la club? Tu sais que t'es trop jeune pour te prosterner là? Tu vas ruiner ta vie. Les temps vont changer. C'est toi qui as changé. Puisque ton père s'en est, t'as toujours fait ta tête. Pas même avoir une seule satisfaction dans cette vie, c'est. Voilà que cet animal de sexe-là marque ta vie. Va-t'en acheter avec moi. Non, j'aime trop Eugène. J'en ai jusqu'à sur le fait de ma tête avec ces rêves d'enfance-là. Oh, je suis plus un enfant, ouais, faut-tu comprendre? T'es vraiment venu impossible, même. T'auras pas un scène de moi en septembre pour coacher tes études, non, tu compris ça? Oh, je peux m'arranger sans toi. Tu me casses le cœur. Music is going to sound better this year? They did a little see. Speak white, kid. Don't be afraid, frog. Tu te trottes, papa chapelet, man. Well, kids, you deserved it. Obstiné! What did you say, cunt? La femme obstiné, si t'es trop une élève de point de ton français, tu t'en passes. C'est mal élevé. Voilà, disait. C'est all right. We'll meet again. Il était sérieux.
Acadie numéro 1, Saint-Paul. Tout à l'air. À mon beau stétail. Ouais. On vous propose un tour. À quoi? À l'été. Puis à qui? À Nijau. Yeah! 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 Ah, allez, tout de suite. Attends-moi ici et tu auras une belle récompense. Eugène! Allô? Descends! Zoël, qu'est-ce que tu fais ça? J'aimerais te faire rencontrer... Je veux pas rencontrer ta garce. Tu me fais honte. Ta révolte est culturelle, sociale, politique, patriotique ou contre toute la vieille génération? Toi. Tu crois que toute la terre t'appartient? À ce temps que chaque homme avec ton morceau de peau. C'est un petit passé de quitter tes études et ensuite ton emploi? Tu t'en viens à la maison. Il y a trop de mauvaises influences ici. Pas chaud de mes influences. Comme ça, c'était ton idée. De peinturer trois quarts des enseignes de la région. Tu ce qui t'a dit, Eva Faso? Tout le monde le sait. Même le prêtre de la paroisse. T'as complètement ruiné ma réputation. Que ta réputation ait droit au job. Ramasse tes causes, tu t'en viens. M'en irai comme à vous. T'as trop peur ou pour être un pire. T'as trop peur que le village te critique. Toi pis ton argent. Mon argent t'aide. Quoi? Depuis que je suis indépendant, que pas eu besoin de ton aide du tout. Non? C'est moi qui t'as sorti de la prison l'été passé, sans que t'aies eu besoin d'un long coup. C'est point vrai. L'histoire de Véron? Ouais. Véron, un après-midi de l'été de 1854, Jean Nicolas, un ancien soldat corse, habitant à la côte à Metégen, regarda fixement le navire qui voguait au milieu de la baie Sainte-Marie. Ce navire avait quelque chose. Eugène, la musique est venue. Alors, ah. Tu veux qu'il aille? 7h30. C'est peut-être Joe, le commissaire. Joe, il n'y a pas de violon, lui. Thank you.
Joe. Pourquoi tu te caches? Aurais dû savoir lui avec quoi proche de la cabane. T'as dit à l'heure? C'est beau. Ça fait longtemps qu'on va voir quoi. Depuis que ma femme est morte et que mon gars m'a quitté. Et honte de quoi pour tout le genre d'autre. À cette heure, tout ce qu'on attend, c'est du rock'n'roll. Tu devrais venir quoi au festival? Ben, un festival de rank en glace, c'est pas un sorin. Cet été, c'est rank en acadion. Tu sais qu'elle a rien à faire avec l'organisation cette année. Oui, mais là, c'est pas battre au vrai avec sa bande d'esclaves pour faire de la merde. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu savais qu'on se corrive l'été passé. D'ailleurs, moi, c'est bon. T'as fait compte, ça. L'été passé, nous avions mis un groupe à Sable pour faire une petite manifestation. Pourquoi? Pour lui parler aux jeunes du problème de notre langue. Un festival sans musique acadienne, c'est pas un festival. Mouvement va compter zéro. Come on! Go Lions! Oh, come on, you guys, I'm out. Son of a bitch. Et moi, mon père m'a déchiré. C'était frigué. Je saignais puis je continuais de me battre. Ça m'a rendu fou, braque. En tout cas, Hugo n'a pas de connaissance à se réveiller à l'hôpital. Le lendemain, ils l'ont mis en prison pour 3 grands jours. Puis à cause de ça, on va perdre beaucoup d'amis. Et les vieux, ils vont rien avoir à faire avec nous autres. Ben, vous avez dû oublier ça, tu sais. Comme si rien n'avait jamais arrivé. Il est pas oublié lui non plus. C'est tiré, c'est votre plus gros problème. Ouais. Ben, il n'y a plus peur de lui. Il faut sortir de votre vie pour longtemps. Combien? Vous allez voir, ben, ben. Ça s'arrange. Lucan! Lucan! Va être là! Quoi? Je vais trouver un job. T'es qui de t'avoir? Hein, le job pareil, c'est une prête de tabac pour y aller. Bien sûr, quand c'est que tu travailles. Au poitre, t'as quelques 10 livres de dope à Moncton avec Simon. Quoi? C'est trop risqué, tu pourrais te faire bosser. Et pas peur. Et dans leur hand en prêté. Que je te dise, mes plans, on met tous les grâces au fond du sac, et là, je mets dans mon sac sur le fer. Les copes de garde au hamad dessus parce qu'il est mon poids de santé. Puis qu'est-ce qu'il y a ici, quel cop qui t'arrête sur le gars d'un pêcheur? Ben, ça, c'est une autre histoire. Simon est fiable, va me dire où elle est peur. Je ne parlerai pas, OK? Ouais, belle, te rendre à Moncton. Quoi? Oui, j'ai laissé aller à Moncton avec ma bike. Tu fais tout le temps de quoi sans m'en parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que t'es plus avec les autres que t'es avec moi? Je suis pas amoureux, tu sais. Ben, décide-toi, Eugène! Ben quoi? Faut que t'aies du courage, Eugène. T'es enceinte? Oui. C'est le docteur qui me l'a dit. Il m'a dit que t'as 2 mois et demi enceinte. Mais broye pas, Hélène. Y'a rien que pour faire à cette heure. Je peux aller pour un avortement. Néon, c'est trop dangereux ça. Tu vas l'avoir, notre enfant. Merci. Et brigade pareil, Eugène. Parle-nous un peu. Tu devrais être déconforté de moi. Je suis pas même mariée. Ben, je vais te dire. Ça fait depuis que tu te cherches à critiquer que tu y penses. Hein? Oh! Avant de surprise pour toi, Joe.
t'es pas naturel, Joe? Alors, on est beau petit bébé. Crois-tu qu'il en rêvait? T'es. Ça t'a pris longtemps, puis que Simone? Oh, j'ai laissé l'arbre, ça a mal. Puis comment ça t'en a démêlé? Peut-être qu'il faut compter mes aventures. Quand elle arrive là, Simone m'a venu me connecter tout droit et a eu chance libre de prendre la place de Yank 10. Pour les 2000 pièces? Oui. Elle est à Halifax à m'en venir pour vendre le reste. Mon troisième soir à Halifax m'invite à pocher du coin d'œil qu'un homme me observe à savoir même. Ça fait quand il sort, il demande si mon épouse, ça m'a pas appelé autant me virer de bois puis plater ma bouteille de bière à la jolle. En tout cas, je suis rêve. Wow! J'ai envie de tout chouré. Qu'est-ce que tu veux dire? Yahoo! Chouré! Les belles choses que le bébé va avoir. Pour arrumer la couverture de la cabane et tout pour la paix. Bien sûr! Puis le festival. Pour Astor, pour acheter des pamphlets pour envoyer à tout le monde. Puis la tête bête, là, on reste assez pour acheter une dorée neuve à Joe. Ouais. Alors, tu célébrais? Dire. Encore! Yuhou! Bon! Tout à l'heure, Joe. C'est bien. Un groupe à vrai. On n'a pas un mal par ici. Bouge pas de là! What the hell's going on here? C'est pas de faire ton comic avec nous autres. What did I do? Je suppose tu sais pas quoi c'est que ça? I didn't kill that deer. Puis ça? Don't understand. It's a frame-up. On a attendu ça avant.
Ni will not brume. Oui, mais faut qu'elle va s'en aller. Vous autres, deux musiciens qui nous venons du lac de Mardi Gras, un violoneux et un guitariste. J'aimerais que vous applaudir à mes deux meilleurs chums, Juan et Joe. Chanson acadienne à cette heure. Elle est écrite en acadienne. Ça va nous commencer, ça, depuis Joe. Ça va voir. OK? Voilà. Quand on est assez de mes groupes, pas beaucoup de nous pour tout le temps. Tout le temps doit savoir qu'il faut vivre et être fier. Le temps est beau, comme il sera vraiment. En arrivant, à temps chante la mort. Imagine les étoiles sur les chats. Le temps est beau. Dans sommeil, je suis depuis longtemps sur mon chemin de tout avec une chaleur qui me donne l'amour. Tout le temps doit savoir qu'il faut vivre bien. Le wonderland, grand délai. Contre la manufacture de classification, on resterait un abandonné. On donne ma démission. Ouais, ouais. Je manque le bon temps dans le ciel. Me sens plonger dans mille rêves. Le monde doit savoir qu'il faut vivre et bien. Thank you.
T'as levé tes études au collège en septembre? Non, faut me trouver un job en ville. Vous restez par ici tout l'hiver, hein? Oui. Hélène va voir notre petit dans le grand vieil. Puis vous lui prendre garde. On va travailler à la factory à mon père. Oui. Vous allez vous refuser une autre fois, hein? Ben, c'est de même ça. Vous allez revenir vite, hein? Oh, oui. Ouais. I'll check down. Bye. Bonne journée. Oh, oui, mais. Oui. OK. Hein? Bye, Léa. Tu parles de garde au bébé, Léa. OK? Puis on va s'en aller tes suivantes. OK?